Salut, salut à tous. Bienvenue une fois de plus à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à cordes. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons, comme à l'accoutumée, de plusieurs sujets. Mais tout d'abord, c'est encore moi, Donatien Gérard. Je suis investisseur dans ce projet depuis 2018. Ce qui fait que depuis lors, j'ai vu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'évolutions dans ce projet. J'ai vu les contrats qui ont été signés. La COVID est passée par là. L'entreprise est restée ferme, a pu résister à ce vent-là. Et aujourd'hui, nous sommes toujours debout et nous sommes déjà en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Ce qui fait donc que je suis très content de vous parler de ce projet aujourd'hui. Eh bien, nous parlerons tout d'abord, comme à l'accoutumée, des dernières nouvelles du projet. Et ensuite, nous verrons les différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes et des risques liés au système de transport actuel. Nous verrons aussi les possibilités, les perspectives du système de transport qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez participer à l'avènement de ce transport écologique. Qu'est-ce que Skyward Community vous offre et quel avantage tirerez-vous? Quel avantage tirerez-vous de votre participation actuelle à ce magnifique projet? Alors, le projet de transport à cordes a été présenté à l'exposition internationale à Bakou. Le transport de développement, la société de développement du transport à cordes est devenu membre de l'exposition internationale infrastructures routières et transports publics qui s'est tenue dans la capitale de l'Azerbaïdjan, à Bakou. Un article à ce sujet a été publié sur le site de l'édition britannique Railway Technology. Pour l'Azerbaïdjan, c'est la principale exposition de profil dans le domaine des infrastructures routières. L'événement a rassemblé des entreprises de Biélorussie, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie. Les Émirats arabes unis aussi étaient présents, de Russie et de Turquie. Le projet de transport à cordes a présenté à l'exposition des solutions technologiques qui ne nécessite pas de grande surface pour la construction, aide à faire face aux embouteillages et se caractérise par une grande fiabilité. Une grande fiabilité et aussi une durée de vie allant jusqu'à 100 ans. Cette année, les représentants des ministères azerbaïdjanais de la communication et des autres technologies du métro, ainsi que des structures de l'État et des entreprises du secteur de la construction des routes ont visité l'événement. L'exposition passée permettra d'accroître la notoriété du projet sur le marché mondial des solutions de transport.
d'obtenir de nouveaux contacts d'affaires et d'augmenter le nombre de clients prometteurs. Le nouveau site de la société de développement de transport à cordes est disponible. La société de développement de transport à cordes, Uniskisting Technologies, a complètement mis à jour son site web officiel. Parmi les principaux changements, on peut citer section étendue sur les caractéristiques technologiques du projet. Ensuite, description détaillée du processus et des résultats de certification. Formulaire amélioré pour les demandes de projets commerciaux. Nouvelle navigation autant pour moi sur le site web et conception avec des éléments interactifs. Notez également que lorsque vous accédez au site de l'entreprise à l'ancienne adresse uniski.com, vous êtes automatiquement redirigé vers le nouveau site qui est ust.inc. Ce qui fait de l'éco-maison, ok, un oasis au milieu du désert, c'est quoi? Le projet de transport à cordes est engagé dans le développement d'infrastructures modernes qui comprennent non seulement du matériel roulant et des pistes, mais aussi un développement résidentiel. Un développement résidentiel respectueux de l'environnement. Un exemple frappant, c'est cette écomaison que vous pouvez voir à l'image. L'écomaison est conçue dans le cadre d'une ville linéaire qui représente des clusters résidentiels reliés par des voies à cordes. L'une des maquettes d'une telle ville est installée au centre d'essai de Sharjah. La principale caractéristique de l'écomaison est son autonomie. Les bâtiments fournissent aux résidents non seulement de l'électricité et de la chaleur, mais aussi de la nourriture. Pour ce faire, une serre est prévue à être aménagée sur le toit, où vous pouvez cultiver des légumes et des fruits toute l'année avec un sol fertile. Waouh! Le projet de l'éco-maison a déjà été mis en œuvre au centre d'essai de Sharjah et sert de siège social à la société qui s'occupe du développement du transport à cordes au Moyen-Orient. Le bâtiment est presque entièrement construit en bois. C'est le matériau le plus écologique et le plus économique par rapport au béton et à la brique. En même temps, le bâtiment est conforme à toutes les normes de sécurité incendie malgré le climat chaud de Sharjah. Un riche écosystème se développe dans la cour de l'éco-maison. Un jardin fleuri, un étang, des ruches et des nids d'oiseaux. Tout cela crée une atmosphère d'oasis au milieu du désert. Alors, nous parlons de la technologie à cordes. Eh bien, c'est quoi? C'est une solution innovante qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Une solution aux problèmes modernes de transport urbain, de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis. Cette technologie de transport est évaluée à plus de 400 milliards de dollars. La possibilité de devenir copropriétaire d'une telle technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde est actuellement ouverte pour vous. Regardez, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Enyem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi, comme on peut le voir là, qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. Il y a là une escalade ajourée avec un wagon suspendu, bien évidemment. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent en essayant de ne pas tomber sous les roues et dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Coïncidence? Non, je ne pense pas. Cette situation que vous voyez ici nous est déjà familière et pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre
chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, le trafic dense des routes, le transport ainsi que la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister, plus du tout. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Eh bien, il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Pourquoi ? Le fait est qu'en branchant notre voiture aujourd'hui sur une prise de courant, nous nous connectons indirectement à une centrale électrique qui, elle, fonctionne à partir des combustibles fossiles et pollue donc également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Eh bien, dans le quatrième défi, nous avons donc cet élément, la forte consommation d'énergie. Voilà. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec sur le toit diffère d'un tramway terrestre, en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles. Non, jamais. Mais pour une raison quelconque, personne n'a jusqu'à présent combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues roulées par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre, ce nouveau système, avec le funiculaire ni le téléphérique. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport donc que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Eh bien, on continue. Qu'est-ce qu'une ville linéaire? Nous avons entendu parler souvent dans ce projet. Il s'agit d'une ville linéaire en union avec la nature. C'est une infrastructure à cordes constituée donc d'éco-maisons, de ports maritimes et de villes linéaires. La mise en place de systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper des voies d'accès des animaux, de détruire les voies ferrées. De détruire les forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires, détruisant ainsi les écosystèmes dans la zone de développement. Nous avons parlé de l'éco-maison tout au début, alors voici donc une autre maquette qui présente cette éco-maison qui fait partie du projet U-Sky. Et ici, vous avez une autre perspective de ville linéaire. Regardez comme c'est magnifique. Ainsi donc, pour pouvoir continuer, lisons ensemble cette assertion. Nous créons l'industrie des transports et les infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, entrons donc plus en détail dans notre sujet. Nous fixons le problème ici qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre quand il s'agit de transport. Et selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il faut déplacer d'énormes masses de sol, d'échanger la faune et la flore également. On peut voir tout cela sur cette image, c'est clair. La prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et alors, seulement à ce moment,
nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant afin d'éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes. Il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant donc un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Alors, désolé, quelques soucis. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, à ce moment, on pose plutôt le câble. D'accord? Les supports lourds n'étant donc pas nécessaires à ce moment, on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Eh bien, enlevons ensuite les supports intermédiaires qui n'étaient pas du tout nécessaires et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons ici une structure de rail unique, comme on peut le voir. Voici en section la composition et les propriétés du rail. Nous avons là des éléments technologiques. Un rail à cordes ou rail corde, c'est une poutre une ferme en acier, en béton armé ou mixte acier-béton armé, non coupée en longueur, équipée d'une tête de rail et renforcée avec les cordes précontraintes. Et bien là, on a la remplisseuse, un agent de remplissage qui est un béton flexible. Notre CEO a aussi eu un brevet pour cela. Et nous avons la tête du rail et nous avons les cordes, on peut le voir clairement. Ok, sur cette base, donc, il est possible de construire, de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. D'accord? À partir, nous avons les rails rigides, semi-rigides et flexibles. Les rails semi-rigides sont des rails qui peuvent supporter des véhicules allant à une vitesse située entre 50 et 250 km par heure. Les rails rigides peuvent supporter des véhicules allant des véhicules de 100 à 500 km par heure. Et les rails flexibles, nous sommes entre 30 et 150 km par heure. Eh bien, voici donc une conception du châssis. Et nous avons là un convertisseur de tension, un système anti-sortie spécial. Des ressorts de suspension, nous avons une batterie d'accumulation qui permet d'accumuler l'énergie au long du trajet. Nous avons des radiateurs, des systèmes de refroidissement, un inverseur, deux moteurs, la roue moteur, bien évidemment, et aussi un dispositif d'attache de secours. Voici en vue plus claire et plus rapprochée le système anti-déraillement dont nous avons parlé précédemment. Donc, ce qui fait que nous avons affaire à un système de transport sûr. Okay. Regardez ici cette image, les dimensions du rail semi-rigide et flexible également. Ceci, c'est un photomontage qui montre les aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, il s'agit du pont sur la Dvina occidentale, la Riga. Vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement traversée par une seule travée. Alors, ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo prise. En octobre dernier, dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent directement l'influence du facteur humain.
Il est possible donc de réduire la charge sur la structure de trajet à cordes et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition automoteur, séparer et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie aujourd'hui et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Eh bien, revenons plutôt aux photos déjà familières, encore appelées roues moteurs. Ici, voici l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Le courant de vent complexe autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte grandement la consommation de carburant de celle-ci. Eh bien, sur le transport de second niveau, les fuses d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. On se rend compte clairement là que le coefficient de traînée de l'unibus à grande vitesse est 10 fois, ok, près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture moderne. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment en grandeur nature. Cet appareil, Unibus à grande vitesse, peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Sur cette image, on peut voir les caractéristiques des deux véhicules, ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Maintenant, pour pouvoir continuer, j'aimerais que nous fixions, nous rappelions les 4 problèmes majeurs du transport moderne. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que jusqu'à Hove est peu en vert. On se rend donc compte que la technologie de transport à cordes est bien évidemment la solution la plus optimale en termes de coût du capital, coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie et la capacité aussi, nous pouvons le dire, en termes de pollution de l'environnement et aussi du taux d'accident de transport. Le transport que SkyOff est peint en vert. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport en termes de temps de délivrance et coût de délivrance. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. Donc, U-Sky, le transport de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Eh bien, tout le monde peut investir. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir participer à un projet pareil qui n'a pas d'analogue dans le monde. Contactez tout de suite celui qui vous a parlé de ce projet de transport et demandez-lui son lien d'inscription pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, faites la vérification de votre compte grâce à votre carte nationale ou un passeport et un certificat de résidence qui permet de tester de votre lieu de résidence. Et ensuite, vous pouvez donc choisir un pack d'investissement. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan de versement pratique aussi est mis sur pied et divisé sur 5 mois. Sur 5 mois, permettre à tout le monde de pouvoir investir, même s'ils n'ont pas la totalité du pack, ils peuvent le payer sur 5 mois. Il y a plus de 400 000 investisseurs aujourd'hui dans plus de 200 pays, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs, des personnes de différentes professions. Les perspectives d'investissement. Eh bien, en participant à ce projet aujourd'hui, vous avez 4 perspectives d'investissement qui s'offrent à vous. OK? Les dividendes.
La mise en œuvre du projet réussi permettra que vous puissiez bénéficier des dividendes, okay, toute votre vie, des bénéfices des projets de l'entreprise. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions. Elle a déjà fait en octobre 2018. Les 5 000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un profit allant jusqu'à 10 fois le montant investi. Héritage. Les actions que vous aurez sont votre propriété. Vous pourrez les transmettre à vos enfants et petits-enfants en héritage. OK, la vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale. En cas de décision de la société de participer au marché boursier, vous pourrez donc avoir la possibilité de revendre vos actions à ce prix-là. Le minimum prévu à l'entrée en bourse, c'est 1 dollar. L'auteur du projet, c'est ce monsieur à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul pour que sa création voie le monde. Cette technologie qui est optimale, efficace et sûre a été mise sur pied par le docteur Anatoly Yudsky. Les chercheurs et inventeurs, auteurs de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 inventions dans le domaine des constructions, des transports, de l'ingénierie et de l'électronique, de l'industrie chimique. Créateur des systèmes de transport spatial et géospatial, ainsi que un certain nombre de projets de transport et d'infrastructures basées sur la technologie à cordes. Il est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies en 1998 et en 2002. Il est aussi membre de la Fédération de l'espace de l'URSS, fondateur bien évidemment du groupe de société UST et constructeur général des technologies Uniski, constructeur général de Uniski String Technologies, ou bien plutôt. Merci. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site personnel, uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux, avec des calculs bien, bien détaillés. Eh bien, aujourd'hui, la société développe plus de 10 modèles de véhicules pour le transport des passagers. Vous pouvez les voir là. Et aussi, d'une autre part, voici quelques images réelles prises à Marina Gorka dans l'écotechnoparc en Biélorussie. Des solutions complexes pour le fret et le transport des passagers. 4 modèles de transport pour les marchandises également existent. Voici Unicont, Unitruck, deux modèles et l'Unitrans. Et le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport et s'intègre donc facilement dans le paysage naturel, dans n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. On a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Au début de 2020, la société de transport à cordes a été présentée à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré de nombreuses personnes, beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition Innotrans. Je tiens à rappeler que cette année encore, nous serons présents à l'Innotrans, l'exposition Innotrans en septembre. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand des téléphériques suisses et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway, bien évidemment. Il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, a subi de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur leur site. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Vous pouvez les voir sur ces images, les certificats et les récompenses aussi.
Sur cette diapositive, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web de l'entreprise. Nous avons dit au début, ust.inc, le nouveau site. Eh bien, sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, la société Uniskisting Technologies a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété du bureau et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 m². Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont été conçues et fabriquées. Pour le transport des marchandises et passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse suspendue et montée d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. Quatre autres modèles, y compris dans la version Tropical, sont en cours d'exécution actuellement. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc tout d'abord, non loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie, plus précisément à Marina Gorka. Chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis, dans l'Émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché mondial du transport. Ces photos ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Et le transport aux Émirats Arabes Unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans l'avenir, il s'intégrera facilement dans le paysage naturel et ne nous surprendra plus comme le fait le métro et le train aujourd'hui. Ou le tram aujourd'hui, ils ne nous surprennent plus du tout. Alors, nous pouvons donc dire à ce moment que le transport, le Sky, que nous avons examiné aujourd'hui, est un transport innovant. Il se déplace au-dessus du sol, finit les embouteillages à haute vitesse. Nous avons vu le système anti-déraillement spécial, efficace, facilement intégrable, aussi, surtout, écologique. Alors, merci bien pour votre aimable attention. Comme à l'accoutumée, je vous laisse avec cette vidéo du centre Sky Test and Certification Center aux Émirats Arabes Unis. Vous allez voir l'éco-maison, une belle visite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation et des dernières nouvelles du projet. Portez-vous bien. Ciao. Thank you.